C'est encore Colmarien de Goku Raku contre Skyle. Du coup, Skyle, un Bowser, hein, vraiment pas mauvais. Alors, il se déplace pas beaucoup, malheureusement, mais à chaque fois qu'il se déplace, il fait très bonne chose. Et c'est vraiment un bon Bowser, il joue vraiment bien sur les bons days, sur les hard punish. Niveau read, il est bon. Neutral, par moment, c'est un peu discutable, mais ça dépend beaucoup des adversaires aussi. Mais globalement, c'est un bon joueur, ça va pas se mentir. Il est capable de faire bonne chose. Et Kura, bon, bah, plus besoin de le présenter, hein, c'est vraiment toujours aussi fort, il est au top de sa forme en ce moment. Et bon, du coup, on part sur cette deuxième game. La première était gagnée par Kura, on est sur Small BF. Et du coup, un Kura, malheureusement, hein, qui ne campe pas, parce que dans le match-up, enfin, Kura n'aime pas camp, hein, donc forcément, alors qu'il pourrait largement, mais il arrive vraiment à bien spot dodge, hein, vraiment les timings de Sky, hein, de son hobby. Ouh, le footstool, auto shield into Dunner. Une bonne punition que voit de Skyle. Ça coachait avec le back air, ça envoie avec un side B. Ouh, la bonne punish là. Là, si Skyle avait touché avec le bon spot, là, ça aurait spike et ça aurait terminé la stock. Et Kura, hein, qui arrive vraiment bien à bait dans son debrief. Hein, il fait croire qu'il va le prendre, mais il attend, il punit et ensuite il le prend. Et le F-Tilt qui est trouvé. Alors, Kura, c'est quelqu'un qui aime énormément le catch. Hein, c'est la roll au ledge, j'aime énormément ça. C'est pas comme le Wii Fit, hein, remarque. Hein, c'est, ils ont juste à F-Tilt. Si t'es derrière, tu vas en haut. Si t'es devant, tu meurs. Enfin bref, c'est des wifi. Ça continue, la dash attack est trouvée, et là, ouh, le spike est trouvé de la part de Kura, très bien joué. Et là, comme dit, on voit, hein, que, ouh, le side leak n'a pas été trouvé, un Kura qui est sorti un peu plus rapidement, up tilt, up tilt, up tilt, encore un, ensuite, ouh, ça ne part pas sur une punish, bien, alors ça, c'est plutôt bien joué. Peut-être, bon, il savait que c'était pas trop, donc du coup, il a pas voulu tenter. La grab into up throw, into fair qui n'a pas été trouvé. Side B tenté, le F tilt trouvé. Alors on a vu que le B était sorti, hein, le F smash trouvé de la part de Kura. Il a vraiment, vraiment bien à être ambigu là, c'est vraiment bien joué de sa part. Ça continue, le side B sky qui a tenté mais pas trouvé. Et ça c'est vrai que hein, contre les Bowser on a toujours cette mauvaise habitude, hein, de rester en shield, mais de ne jamais spot dodge alors que c'est beaucoup trop fort dans le matchup. Mais bon après, faut avoir confiance aussi, on va pas se mentir. En tout cas, Kura qui a un très bon lead là, mine de rien. Le back air qui est tenté de la part de Skyle qui n'est pas trouvé. Ça a tenté de descendre et ça a voulu tenter le side B, ça n'a pas fonctionné. Le up tilt, je croyais de. Non, de up air de Kura qui a fonctionné. Non, le nerf, ouais, enfin bon. Ça continue du coup avec des phases de juggle, ça continue, ça envoie le ballon. Ledge guard qui aurait pu être trouvé, qui aurait pu conclure cette game. Et Kura là, qui danse autour de Skyle. Et le FT qui est trouvé, qui touche la petite crête de Bowser, mais ça ne suffit pas à le tuer. De nerf qui est tenté, un edge guard. Enfin, un edge guard. Qui est tenté, ça continue. Le ballon qui est tenté, le ballon qui a été chié malheureusement. Là, cette petite douille, hein, de Wii Fit, hein, qui fait toujours aussi mal. Ça prenait quoi, la up throw? Ça ne tuera malheureusement pas. Les throws de Wii Fit, hein, à part la back au ledge, hein, c'est vraiment c'est pas terrible, terrible pour tuer. Et la F aussi, mais bon, faut essayer de fraîche. Le side B qui est trouvé, très bien joué avec la rage. Là, ça suffit vraiment tôt. Ouah. Du coup, on va simplement continuer. La scale, hein, malheureusement, il se prend vraiment un up. Voilà, il se prend un aérole, c'est terminé. Le debrief est absolument insupportable. Très bien joué à Kura pour cette game. Mais on sent que ça allait déjà mieux du côté de Skyle. Donc on va voir l'adaptation. Hein. Et on prend les mêmes. Et on recommence. Alors. Toujours sur Small BF, et ça va continuer avec une bonne musique pour le coup. Là, le debrief qui est trouvé, Kura qui se prend à F-Tilt, ouh, et qui a pas le temps de se faire plus. Hein. Oh, là, ça a failli être expéditif de la part de Kura. Là, Sky, hein, qui vraiment ne peut pas profiter de ses up auto shield, le F-Smash n'a pas été trouvé malheureusement. Ça continue, le Kura qui en fait pour charger son Sun qui n'est pas trouvé, et Kura, hein, qui, mine de rien, même si c'est pas ça, il commence petit à petit, hein, à camper au ledge. Le Dunby qui a été tenté, qui aurait pu être dévastateur, ça avait été trouvé.
tu veux, le F-Smash hein, qui est tenté, le parker, alors, très beau rare de la part de Kura, et Sky malheureusement qui loupe sa Rico, qui loupe le ledge, c'est dommage. Kura qui a un très bon lead, mais avec Bowser ça peut aller très rapidement, c'est très bien. Le F-Tilt, enfin le Fer pardon. Neutral B déjà 45, le side B hein, sur la plateforme. Enfin, c'est vraiment dévastateur contre le shield ou les dégâts tout simplement, c'est horrible. Donc là Bowser hein, qui mine de rien, il aime bien quand son adversaire stall, mais là Kura il stall vraiment au bon endroit. Le side B qui est trouvé, ça ne tuera pas malheureusement. Ça continue, le side B qui est trouvé de la part de Kura, neutral B qui n'est pas trouvé. Ouh la dash kick river, c'était vraiment bien joué de la part de Sky là. Ça c'est vraiment aussi une très bonne option de Bowser. Vraiment bien joué de sa part. Ça continue, ça va partir. Et Sky là, qui est un joueur qui est très très agressif mais qui est patient, c'est à dire qu'il va il va pas forcément se précipiter pour trouver une phase, mais dès qu'il l'a il va vraiment te mettre la sauce mais à un point monumental. Ça c'est vraiment Sky hein, c'est sa spécialité. Petit neutral B hein, pour gratter les pourcents au ledge, hein. Soit tu restes accroché, moi je te brûle. Ça continue, la backstroke qui est trouvée, ça aurait fait le deep brief, la dash, enfin la get up attack qui est trouvée. Ça continue, là le spot dodge très bien joué. Voilà quand je disais vraiment hein, que c'est trop fort de spot dodge dans ce matchup, c'est pour ce genre de situation. Ouais malheureusement Kura qui sauve Sky là. La F-stroke est trouvée. Mais bon, vu que c'est Bowser, ça ne tuera pas malheureusement et c'est vraiment triste. Et Kura qui se met à la bonne distance et qui arrive ici vraiment à punir juste avec un F-tilt. Et là Kura hein, qui maîtrise. Hein. Franchement là, voilà. Ouh, beau donner de la part de Sky. Up-tilt qui a tenté qui n'est pas trouvé. Side B sur la plateforme et ça ne tuera pas. Kura hein, là qui mine de rien dans une position assez délicate mais qui se laisse pas abattre hein, clairement easy. On connaît Kura, il est capable vraiment de remonter une game en une seule phase, voilà, le fer qui spike. Ça continue, le backer qui est tenté de la part de Sky qui n'est pas trouvé. Up air, enfin non, si, non, nerf de la part de Kura qui n'est pas trouvé. Le up smash sur la plateforme qui, s'il avait été trouvé, ça aurait été la fin, c'est horrible. Le side B tenté qui n'est pas trouvé. Le F tilt, grab, back throw. Oh la belle tech, le spike du coup on stage et la roll qui a été read sur la plateforme est très bien joué de la part de Kura qui remporte ce set 3-0. Et du coup ça sera un set Kurako contre Disco Dog. Moi je me suis fait battre 3-1. Bonge moi.